à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone votre podcast quasi hebdomadaire hein, qui vous parle de baseball universitaire et le tout en français bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine euh, comme je l'ai dit récemment on est en train enfin, on a dépassé la mi-saison en termes de calendrier global on est entré au niveau de la mi-saison pour les calendriers de conférence. donc maintenant on a beaucoup plus de recul pour voir un peu les tendances comment ça se passe etc etc mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu plus spécial et spécifique hein, sur notamment les prospects. En effet, la draft fait partie des choses qui excitent hein, forcément bon nombre d'observateurs et euh, juste d'amoureux du baseball. Hein, pouvoir connaître les futurs stars potentielles, stars en tout cas, ou joueurs euh, de franchise de demain, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Et donc, dans cet épisode, on va pouvoir. Revenir un peu sur les joueurs qu'on attendait, euh, voir un peu les performances qu'ils ont eues, s'il y a eu des blessures ou autres, s'il y a des déceptions, s'il y a des surprises, etc., etc. Mais avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, euh, et notamment sur YouTube également. Vous pouvez retrouver bien sûr le Homura sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, TikTok, etc., etc. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Allez! C'est parti! Avant de commencer cette partie un peu plus centrée sur les prospects et un peu voir cette partie, on va dire draft, je vais quand même faire un retour rapide hein, sur ce que j'ai vu le week-end dernier. Alors. J'ai été, euh, voilà, je me suis baladé de série en série. Il y a une série principale qui a été mon fil rouge et c'est pas une habitude, forcément, si vous écoutez euh, mes, mes, euh, mes épisodes, c'est pas une habitude que j'ai pris euh, cette saison. C'est une série en fait euh, purement mid-major. Euh, J'étais dans la Big East et j'ai regardé en fait une des équipes en forme de la saison St. John's par rapport à une des équipes favorites de cette même conférence en début de saison, hein, à Yukon. C'était une série très intéressante, euh, pour ne pas vous mentir, il y a quand même pas mal de gens, notamment côté St. John's, que je ne connaissais pas, donc ça a été aussi une découverte. Et j'ai vraiment été agréablement surpris par le niveau affiché par les deux équipes, avec vendredi euh, voilà, une domination de Yukon, même si tout n'avait pas très bien commencé, puisque St. John's a très rapidement euh, mené 4-1 en haut de deuxième manche. On a eu de, pour le coup en fait une grosse performance, la performance du releveur de Yukon, Yann hein, Cook, puisqu'il est rentré en fait euh, euh, après le, le, le difficile début hein, du starting pitcher, il est rentré de la, la deuxième manche et il a fait en fait... Euh, plus, un peu plus de 7 manches et dans ces 7 manches c'était euh, des manches shutout c'est à dire qu'il n'a euh, pas euh, concédé le moindre point, il a concédé que 2 coups sûrs et il a réussi à, surtout à strike out 14 euh, batteurs ce qui, est, ce qui est son record en carrière d'ailleurs donc c'était à noter je vais pas vous faire du name dropping hein, non plus parce que c'est pas forcément des joueurs que vous allez retrouver tout en haut des affiches par exemple en termes de prospects ou autre mais c'était juste euh, le, le petit point noté sur ce match du vendredi puis ensuite, on a vu le, le samedi en fait, euh, Saint John's réussir une très belle performance. Ils ont notamment euh, donc remporté le match 15 à 7 et ce qui est assez marrant c'est que euh, au début du match on a l'impression que Yukon euh, est, est, est bien parti bon c'est du baseball hein, donc ça peut très vite changer mais Yukon est bien parti St. John's essaie de mettre en place du small ball pour se mettre sur base mais a un peu de mal à vraiment scorer puis après on a une bascule en fait à partir de la 4ème 5ème manche où ils commencent à scorer régulièrement avec notamment du two run home run pour un peu alterner avec du small ball c'est à dire qu'ils ont réussi vraiment à punir à chaque fois qu'il y avait une balle rapide d'un lanceur euh, du côté de Yukon il a souvent été puni, soit dans le gap, soit via un home run carrément, et lorsqu'il euh, a fallu euh, euh, comptabiliser ou, ou mettre en plus de points avec des joueurs déjà sur base et pas d'out, c'est là qu'on a vu en fait euh, toute la logique du baseball tel qu'on le connaît, avec euh, du sacrifice bunt, euh, des squeeze play, etc. etc. pour pouvoir euh, continuer à engranger des runs. Ce qui fait qu'on est passé d'un score en faveur de Yukon, hein, euh, à un moment il menait je pense 5-3 ou 5-4, a un score qui a basculé de côté de St. Johns à 6-5, puis après 8-5, puis après 11-5, 12-5, puis Yukon euh, est revenu à 12-7, mais après euh, St. Johns a remis deux de runs de suite, donc ils ont toujours réussi à euh, garder une certaine distance. Et pour finir le dimanche, ça a été le match euh, pour moi le plus, euh, le plus euh, serré, le plus intéressant, on a une victoire au final de Yukon, euh, 11 à 8, mais quand on regarde les stats, il euh, y a eu 12 coups sûr de part et d'autre. Euh, après euh, 4 manches, il y avait 3 partout. Puis après 5 manches, il y avait euh, 5-3 pour euh, St. John's. Après 6 manches, il euh, y avait 7-5 pour euh, St. John's. Donc vous voyez, c'était encore euh, à leur avantage. La bascule s'est vraiment fait dans les 3 dernières manches, puisque on a eu 3 euh, runs dans la 7ème manche de Connecticut qui les a fait basculer euh, devant, euh, euh, 8 à 7. Une égalisation de St. John's dans la huitième et enfin un walk-off hein, euh, de 3 runs hein, dans la 9 manche qui a permis justement de euh, voir Yukon remporter la série. Ce qui leur a fait en fait le, le, le plus grand bien. Euh, pourquoi ça Puisque, comme j'ai dit, Yukon en pré-saison, c'est une équipe, peut-être pas forcément top 25, mais assez tangente. C'est une équipe de, basée sur ce qu'ils ont fait la saison dernière et basée sur le programme en général qui a euh, toutes les louanges des observateurs. Et c'est une équipe qui sur le début de saison, enfin sur la moitié de saison, est en grosse délicatesse. Après, c'est vrai qu'ils avaient un calendrier quand même assez relevé. Mais malgré tout, malgré cette série gagnée qui les lance un, un peu plus, on va dire, dans leur, dans leur calendrier de conférence, avec donc deux séries remportées sur les deux, premiers, les deux premières séries jouées. Bah, ils se retrouvent en bilan global à 16 victoires pour 17 défaites seulement. Donc c'est très loin des standards attendus. Je n'ai pas encore vérifié leur RPI, mais maintenant que les RPI sont, sont, sont sortis, ça va être d'autant plus intéressant de regarder, parce que vous le savez, comme je l'ai dit, c'est les métriques qui sont vraiment regardées par le comité de sélection. Donc si Yukon ne gagne pas sa conférence, euh, cette saison, ça peut être crack pour pouvoir avoir un bid, pour pouvoir aller au tournoi national. Donc victoire très importante de Yukon. Et St. John's, en fait, je les avais vus en début de saison, je pense que c'était à l'Opener, hein, ils avaient joué de côté de Florida, ils devaient jouer une série, mais en fait, à cause des intempéries, ils n'ont pu jouer qu'un seul match. Et ce match-là, ils l'avaient remporté. Euh, c'était un upset euh, de, de tout début de saison, et, et déjà, à ce moment-là, on voyait euh, très bien le même jeu qu'ils ont mis là en place ce week-end, avec plus ou moins de réussite. C'est-à-dire, beaucoup de small ball, euh, une... Euh, une envie de faire rentrer, de comptabiliser les, les joueurs qui sont en position de scorer, hein, même s'il faut euh, dans ce cas-là euh, sacri se sacrifier, il y a un sacrifice fly, un sacrifice bunt, etc. etc. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de small ball, mais il y a une certaine alternance puisqu'on a vu aussi qu'ils savent punir les balles rapides. Donc ils attendent souvent des balles rapides. Euh, on va dire plein fer ou proche de, 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 du, du centre, hein. en tout cas ce que j'ai vu face à Yukon. Mais dès qu'on les challenge sur une balle rapide, ils arrivent en fait encore une fois à trouver de l'espace dans le gap. Hein. J'ai vu pas mal de doubles par exemple. Ils arrivent également à frapper des runs s'il le faut. Hein. J'ai vu du Tour home run notamment pour passer devant un moment euh, le samedi. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un jeu très euh, on va dire jovial. Par contre, euh, le, le, là où le bas blesse, c'est au niveau défensif, j'ai vu quand même beaucoup d'approximations défensives, hein, bon, des, deux, des deux côtés, hein, des deux, du côté des deux équipes, mais par exemple dimanche, ça a été d'autant do, plus dommageable qu'ils ont eu des erreurs qui ont été très coûteuses, hein, deux erreurs, et ces deux erreurs ont, ont, ont amené des runs à chaque fois, donc euh, c'est là où le bas a blessé, est-ce que c'était vraiment... Euh, euh, propre à cette série ou est-ce que voilà ce sont les limites qu'on peut voir euh, du côté de St. John's et, euh, et peut-être du côté du baseball biggest qui baseball de mid-major mais pas forcément euh, du plus haut de la mid-major. Euh ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre, mais que je me pose du coup, euh, sachant que j'ai vu un peu sur le côté qu'il y a d'autres équipes intéressantes. Il y a Creighton notamment qui, qui est intéressante, à défaut d'être impressionnante, elle est intéressante à regarder. Donc, non, vraiment, euh, la Big East, euh, c'est intéressant à regarder ce week-end et de, 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 un peu de ch changer aussi de baseball, pas toujours se retrouver à regarder juste de la ACC ou de la SEC, même si. Et on va passer à l'autre rencontre, que enfin l'autre série que j'ai regardée en détail euh, ce week-end. Euh, j'ai quand même regardé de la S ici, parce que j'ai regardé en, en début de soirée à chaque fois, euh, sauf le dimanche. Mais en début de soirée, euh, le, le reste du week-end, euh, Texas cnm qui accueillait Vanderbilt. Malheureusement, on va passer très vite hein, sur cette série, puisqu'il n'y a, eu, euh, a pas eu photo un sweep de Texas CNM, c'est la deuxième fois que je vois un tel trou d'air de côté de Vanderbilt ils avaient pour l'instant, jusqu'à présent, ils ont fait plutôt un, une compétition assez solide en S ici, mais ils avaient déjà eu un trou d'air similaire après avoir réussi une grosse performance lors du premier week-end, ils avaient sweepé euh, je pense c'était Missouri le week-end suivant ils, étaient, ils étaient déplacés de côté de South Carolina et ils avaient été sweepés et là on a retrouvé un peu ce, 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 ce même problème ils sont fait sweeper, notamment le premier match. Euh, ils ont perdu... Euh, Est-ce que est c'était pas un shutout d'ailleurs Je pense qu'ils ont perdu 15-0. Je sais que moi j'ai arrêté de regarder à 11-0. Mais ils ont perdu 15-0. Je pense que j'ai regardé après le, le box score. Euh, très rapidement, dès la le, dès le première manche, ça a été compliqué. Euh, on va dire que la tendance continue pour Vanderbilt. On attendait un Pedging Staff vraiment de haut niveau. Pour l'instant, c'est beaucoup plus moyen que ce qu'on attendait. On attendait un line-up. Euh, limité Bon sur cette série ça s'est prouvé malheureusement Mais on va dire qu'il eu. c'est plus une faute à pas de chance Que vraiment des, des problèmes De, 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 de line-up Puisque pour le coup le line-up est plutôt très intéressant cette saison En termes de performance Côté Texas A&M ils sont en train vraiment de se positionner Pour le coup en tant que favori Déjà de la SEC et pourquoi pas favori national Puisque à part la série Perdue à Florida je pense qu'ils n'ont perdu Aucune série en SEC pour l'instant Et à chaque fois en fait Il y a la même chose c'est à dire que ils ont ce 1-2-3 punch en tout début de line hein, composé de Gavin Graovac, le, le, le freshman, puis ensuite des deux gros stars, hein, Jace Laviolette, qui est, comme je l'ai dit, à chaque fois projeté numéro 1 pour l'instant à la Draft 2025, le centerfield, field, et euh, Brayden Montgomery. Montgomery, qui est sur une grosse, 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 grosse saison, il est sur une saison type MVP, enfin, yeah, ça n'existe pas le MVP en college baseball, mais type Golden Spike, si on veut parler de, euh, de ce qui se fait en college baseball. C'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, sur ce match-là, les deux ont réussi deux home runs et assez rapidement dans le match, hein. euh, ce qui a permis d'avoir un très, très gros gap en fait et de doucher un peu les espoirs de Vanderbilt très rapidement. Euh, L'autre point que je voulais noter toujours côté Texas CNM, c'est la grosse euh, nouvelle grosse performance de Ryan Prager qui a été très impressionnant, qui est en train de se poser en termes de candidat au Pitcher of the Year euh, en SEC. Ce qui est vraiment très intéressant pour lui. Hein. Comme je le rappelle, il revient d'une grave blessure la saison dernière. La première saison en tant que Freshman, c'était intéressant sans plus. Mais là, vraiment, il arrive à, à, à être constant et consistant. Donc très intéressant. Et pour finir, avant qu'on passe à la suite, hein, du côté de Vanderbilt, ce qui a été assez paradoxal, c'est de les voir aller beaucoup de fois sur base. Mais ça ne s'est pas traduit par des runs. Et c est, c est, ça a été le gros problème. Parce que quand ils se sont pris les, les, les gros coups derrière la, la nuque, on va dire... En termes de home run, etc., etc. de la violette ou de, ou de Montgomery, ils ont eu l'opportunité à chaque fois de scorer dans ces mêmes deux dans la demi-manche suivante, ce qui aurait permis au moins de rester dans le match. Ça n'a pas été le cas. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une certaine tendance, hein, et surtout qu'on voit de plus en plus en S ici c'est de privilégier euh, les grosses frappes, c'est-à-dire qu'on va limite privilégier des home run à euh, du small ball si possible. Mais je pense que lorsqu'on voit que ça ne fonctionne pas euh, sur le jour en termes de longue balle ou autre, quand on a des joueurs sur base, il faut essayer de les faire avancer au moins un minimum pour pourquoi pas mettre le doute dans l'équipe adverse. Ça n'a pas été forcément bien fait du côté de Vanderbilt. Et c'est une tendance qu'on voit beaucoup, je trouve qu'on voit de plus en plus en ici. Il y a ce côté un peu MLB, MLB du collège baseball pour la ici. Mais donc bref, Texas CNM s'est bien placé et on va en reparler très rapidement dans le top 25 juste après, mais juste avant une petite pause musicale. Et donc, le top 25 de la semaine, avec la première grosse information, c'est euh, l'arrivée d'un nouveau numéro 1, Texas A&M. Texas A&M a eu une semaine parfaite, a souper Vanderbilt. C'est logique, d'autant plus que Arkansas a perdu la série face à Alabama. Et euh, ce qui est marrant, j'en parlais, c'est que le baseball, ça ne joue à rien. Dans le sens où Arkansas, ils avaient gagné le premier match Ils mènent dans le deuxième match et ils sont toujours en tête dans la neuvième manche. Ils n'ont. Ils n'ont pas trop de risques, ils ont l'air plus proches de, bah, de gagner la série dès le samedi hein, et gagner, et mener 2-0 et pourquoi pas tenter d'aller jusqu'au sweep. Malheureusement, il y a une erreur de leur pitcher qui va permettre à Alabama de remporter ce match-là et le match 3 va être un shutout win de la part d'Alabama qui va gagner, je pense, je me rappelle bien 5-0, remporter la série et du coup Arkansas perd sa première série en S ici et donc passe deuxième dans le top 25. En troisième position, la meilleure équipe S ici en termes de bilan, c'est Kentucky, hein, qui termine la semaine en trois victoires, une défaite. Ils ont encore été impressionnants, ils ont gagné contre Auburn, d'ailleurs ils ont sweepé, hein, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, ouais. Ils les ont sweepé. Même quand ils sont menés, ils arrivent à retourner, à renverser des montagnes, donc très 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 intéressant à suivre. On retrouve ensuite euh, Tennessee, Oregon State, et puis. Clemson, Clemson qui chute hein, parce que Clemson a eu une très mauvaise semaine, euh, ils ont perdu en midweek déjà et ensuite ils ont perdu une série à domicile, euh, c'était face à NC State de mémoire, euh, j'ai un, un petit trou de mémoire mais je pense que c'est ça, hein. Ouais c'est ça. ils ont perdu face à NC State à domicile, ce qui fait tâche, on retrouve ensuite euh, bah, pas mal d'équipes ACC si, parce qu'on retrouve Duke en 7ème, Florida State en 8ème position, UVA en 10ème, North Carolina en 11e, Wake Forest en 12e position, et intercalé en 9e position, on a East Carolina. Uh, Vanderbilt chute de 7 places, hein, après leur sweep euh, subi <laughs> du côté de Texas A&M, du côté de College Station. Louisiana continue à faire son petit bonhomme de chemin, maintenant sur 14e. Oklahoma State aussi euh, grimpe de quelques places, tout comme Oregon. Uh, pour le coup, UC Irvine a été surpris euh, cette semaine et euh, chute un peu. Ils sont 17e. Alabama, fort de sa série remportée face à Arkansas et cette grosse bataille, bah, monte à la 18e place. On retrouve ensuite Coastal Carolina qui a une semaine mythique mi, mi mais qui a gagné la série du week-end, ce qui est le plus important. Sauf Carolina revient dans les rankings en ayant remporté une série de côté de Florida. Et du coup, Florida fait le chemin inverse, sort des rankings. Hein. Ça leur prend des honnêtes. après déjà un bilan global très moyen puisqu'ils perdent toute leur midweek. Mais au moins auparavant, ils gagnaient leur série euh, du week-end en SI6, ce qui les maintenait hein, dans ce classement. Maintenant qu'ils commencent à perdre aussi les séries de SI6, c'est la deuxième de suite, bah forcément, euh, ça les met euh, à mal. Et je rappelle qu'ils ont quand même perdu face à Missouri euh, la semaine d'avant. Donc euh, c'est normal qu'ils sortent des rankings. Rien de dramatique, hein, ils auront le temps de, de revenir, mais il y a vraiment quelque chose à, à remettre en place, surtout au niveau du pitching staff du côté de Florida. Arizona rentre dans les rankings avec une semaine parfaite et vraiment un très bon début de saison. Euh, c'est donc la, deuxième, la troisième équipe PAC-12 hein, qui rentre dans les rankings cette semaine. Euh, Virginia Tech est euh, euh, sur un fil. Hein, euh, je pense qu'ils ont perdu de côté de Georgia Tech la série. Je crois que c'est ça, ouais, ils ont perdu face à Georgia Tech leur série. Euh, Georgia rentre dans les rankings après avoir gagné euh, sa série euh, du week-end. Charlie Condon et compagnie euh, font un très bon début de saison. Hein, ils sont à 27 victoires pour 9 défaites seulement euh, en global. Et enfin Dallas Baptist, qui a été surpris, euh, mais qui a réussi à, à, à gagner au moins un match dans la série du week-end, ce qui leur permet de sauver leur place dans le Top 25, mais ils ne sont plus qu'à un fil. Hein. Vraiment euh, Dallas Baptist, ça fait deux, deux, deux séries de suite où c'est un peu plus compliqué, mais ils ferment la marche. Donc ça fait que UCF, Mississippi State, Nebraska, qui a perdu hein, en Big Ten et Florida, euh, bah, se retrouvent hors, euh, hors du Top 25 sur cette semaine. Je le rappelle, chaque semaine, le top 25 est délivré, on va dire sorti par Der Baseball, et c'est celui sur lequel je me base, parce qu'il y a plein de top 25 qui sortent, hein, comme je le rappelle, à chaque fois. Voili, voilou, on va pouvoir partir sur la dernière partie du podcast, mais la plus longue, on va enfin parler des prospects et de la draft De retour donc pour cette fois-ci parler de la draft. Alors plusieurs choses à savoir avant qu'on commence de parler des joueurs. Tout d'abord, je le rappelle encore une fois, mais depuis deux saisons maintenant, il y a une loterie également en MLB. Donc comment ça marche euh, Chaque équipe a une sorte de poids. Ce poids, c'est un pourcentage en fonction de son classement vis-à-vis -vis de la saison précédente, enfin du classement vis-à-vis -vis de la saison qui, qui s'est écoulée. Et donc ensuite, il y a un tirage au sort avec euh, voilà, chacun son poids et ça permet de déterminer l'ordre de la draft. Euh, voilà, comme ça se passe également par exemple en NBA. Là, pour le coup, euh, la loterie porte bien son nom et ajoute un peu plus de piment vis-à-vis -vis du tanking par exemple et contre le tanking, puisque ce sont les Guardians qui ont hérité du premier pick. Euh, si je me rappelle bien, vis-à-vis -vis de leur classement, ils n'auraient pu hériter que du 9e ou 10e pick normalement. Et là ils héritent du premier. Donc c'est une grosse plus-value. Et c'est la même chose pour les Reds. Les Reds, ils avaient un très bon enfin, un plutôt bon bilan, hein. ils n'étaient pas loin, ils étaient dans la course pour les wildcards. Et d'ailleurs, leur classement aurait dû leur permettre de piquer que, on va dire en milieu de premier tour pour, le, pour le, premier, le premier tour. Et là, ils se retrouvent en deuxième position. Donc c'est très intéressant et voilà, ça donne un peu du, euh, de l'eau, on va dire, de l'eau au moulin. <laughs> Bref, ça donne un peu raison d'avoir mis en place cette loterie pour essayer un temps soit peu de limiter cet esprit de tanking. Donc euh, voilà pour la première chose à savoir. Euh, je peux rappeler rapidement au moins les dix les euh, premières franchises qui vont piquer euh, cette saison. Les Guardians sont donc en tête, les Reds ensuite, ensuite on a les Rockies, ensuite... On a les A's, on a les White Sox, Royals, Cardinals, Angels, Pirates et les Nationals. Donc voilà pour le top 10. Vous pouvez bien sûr retrouver hein, euh, bah, l'ensemble de l'ordre hein, de pique de, hein, de chaque franchise sur MLB.com par exemple. Et là, l'autre chose à savoir, avant que je commence, c'est que bien sûr, moi, je ne suis pas un scout. Ce qui veut dire forcément que je n'ai pas... Euh, euh, comment je vais dire ça je n'ai pas les métriques ou l'œil qui va permettre de vous dire, voilà, lui, c'est un 5 tools parce qu'il est plutôt à 55 là, à 60 ici, à 65 ici, etc., etc. Ça, je ne sais pas faire. Donc, pour, pour cette partie-là pure, moi, je, me, je regarde forcément les, les articles hein, des spécialistes en la matière, que ce soit de, du côté d'mlb.com, du côté de The Athletic, ESPN, D1 Baseball, etc., etc. Baseball référence aussi pour garder un œil sur les stats brutes et puis m'appuyer un peu là-dessus pour mon argumentaire. La chose que moi je vais apporter c'est vraiment mon observation, c'est-à-dire que ce côté amateur du college baseball fait que je vois beaucoup de matchs de ces prospects. Et je vais vous donner un peu ma vision de ces prospects-là. Et puisque si on est en milieu de saison, on va pouvoir surtout s'atteler à regarder la progression de ces prospects. Est-ce qu'on a des surprises, des nouveaux venus qu'on ne voyait pas en pré-saison ou dans les saisons précédentes, assez proches du premier tour, voire tout en haut du premier tour, et que maintenant on voit projeter très haut Est-ce qu'au contraire on a des joueurs qui étaient projetés très haut et qui ont déçu ou qui ont eu des soucis qui font qu'ils sont peut-être un peu plus bas qu'attendus. Donc voilà, c'est un peu ce jeu-là auquel j'ai envie de, de jouer avec vous aujourd'hui. Et on va commencer dès maintenant. Il euh, y a un autre truc hein, que j'ai oublié de, de, de dire hein, rapidement, mais déjà il y a une tendance, c'est-à-dire que euh, voilà, on ne peut pas forcément comparer les classes de draft, mais on sait que la classe de draft 2023 a été exceptionnelle en termes de potentiel. Là on se retrouve sur une classe de draft qui est quand même moins chargée. Euh, en termes de potentiel, ça ne veut pas dire que ces joueurs-là vont être moins talentueux en MLB que ceux qui ont été draftés auparavant, puisqu'on n'en sait rien. Ça reste du potentiel à développer et on sait que le chemin pour le show est très compliqué, même s'il va de plus en plus vite pour certains, chez certaines franchises, on va dire, par rapport aux jeunes. Donc voilà, c'est quelque chose à tenir en compte et on sait également qu'en MLB, parmi les draftés, il y a des lycéens en général. Et si on regarde le potentiel, on va beaucoup regarder le potentiel niveau lycéen. Sur cette draft 2024 jusqu'à présent, le, la tendance est que, notamment sur les premiers pics, on va vraiment se retrouver beaucoup et assez souvent sur des joueurs universitaires. Donc voilà, ça m'arrange un peu parce que c'est plus facile pour moi déjà d'en parler, parce que je les suis au quotidien ou en tout cas à chaque série. Contrairement au lycéens, ou à part des vidéos un peu obscures de ci et de là, c'est très dur pour moi de, 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 de les regarder c'est un peu le même principe par exemple pour les Jucos, il y a des JUCO qui sont éligibles puisqu'ils ont euh, l'âge d'éligibilité donc ils pourraient, être, euh, ils pourraient être draftés comme ça se voit assez souvent sur des tours un peu plus loin euh, de la draft par exemple donc tout ça ça va être à observer, hein. bah, d'ailleurs ça a été le, le cas de Mathias Lacombe à la saison dernière parce qu'il avait commis du côté de Louisiana en termes d'université mais il a été drafté en 11 e ou 12 e tour du côté des de White Sox lui qui vient de Co Coaches de mémoire, euh, Arizona euh, donc, euh, donc voilà, voilà. Euh, allez, on va y aller. On va arrêter de stall, on va arrêter de gagner du temps. On va vraiment y aller cette fois-ci. Dans la première catégorie des joueurs dont je vais parler, ce sont les joueurs à haut potentiel qu'on voit tout en haut de la draft et qui pour l'instant confirment leur statut. J'ai un premier joueur dont j'ai envie de parler, c'est Travis Badzana. Tout d'abord, il euh, faut le savoir, ce joueur-là est australien. Il a... Euh... Dire émigré, on a migré du côté des États-Unis pour rejoindre la fac d'Oregon State et dès sa saison freshman, ça a été une star, voire une superstar de la Pac-12. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est très bon, très discipliné à la batte, il est très agressif en termes de zone. C'est-à-dire, quand j'ai agressif, c'est dans le sens où il va être très bon grâce à, son, grâce à ses yeux pour vraiment ne rien laisser aux lanceurs adverses. Il faut que le lanceur euh, lance vraiment dans la zone ou proche de la zone où est des calls assez sympas de l'arbitre pour un peu étendre la zone. Sinon, Bazana ne va pas l'étendre de lui-même. Euh, L'autre chose, c'est qu'il est très bon pour euh, bah, justement faire durer les at-bats, même s'il dif... qu'il peut avoir une difficulté sur un at-bat de, euh, euh, de frapper un coup surface à un lanceur, il va quand même se battre pour au moins euh, frapper des, des balles fautes, Vraiment jouer avec la patience et le pitch count du, du lanceur adverse. L'autre chose également, euh, en termes de contact, c'est très intéressant. Je pense qu'en termes de, de frappe, hein, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du collège baseball. Il hein, n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment, euh, vraiment un, 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 un pur frappeur. Comme on en voit peu, euh, il a vraiment les, les outils pour euh, voilà, embêter du monde et avoir de, une moyenne à la batte très intéressante. Sur sa saison Freshman, il n'avait pas montré beaucoup de puissance, même si on voyait des flashs. Sa saison Sophomore c'était beaucoup mieux. Et là, sur sa saison junior, c'est vraiment l'explosion en termes de puissance, parce que c'était peut-être la petite chose qui lui manquait pour être complètement sexy, parce qu'on le sait, hein, la puissance à la batte est une chose recherchée, vu qu'on joue beaucoup sur, sur, sur la frappe puissante en MLB sur, sur ces dernières saisons. Et là, pour le coup, il est vraiment très intéressant. Il a battu notamment un record, je pense, en termes de lead-off home run euh, récemment. Je pense qu'il avait réussi 4 home run en tant que lead-off de suite, en fait, d'affilée. Hein. 4 matchs de suite, 4 lead-off home run. Euh, en général, c'est très bon cette saison. Toujours très bon à la, à la batte très difficile de le strike-out et euh, voilà des stats en hausse en termes de puissance grâce à son nombre de home run notamment. Pour appuyer sa progression notamment en, en termes de puissance, on peut regarder ses stats, hein, puisque s'il a toujours été un frappeur régulier de très bonne facture. Hein, euh, sa, saison, euh, sa saison Freshman, il était à 306 de moyenne à la batte, il avait un, un OPS de 902. Sa saison euh, Sophomore euh, du côté d'Oregon State, c'était une moyenne à la batte de 3, 374 et un OPS de... 1.122 On pouvait voir par exemple que c'était plutôt un frappeur régulier de contact, mais pas forcément un frappeur de puissance. Il avait terminé sa saison freshman avec 6 home run notamment. Euh, quant à sa saison Sophomore, c'était 11 home run. Là on est à peine à la mi-saison, il est déjà à 18 home run, ce qui vous euh, quand même place le gars. Euh, en termes de ratio, World Strikeout, ça a toujours été très intéressant. Il a toujours réussi à euh, provoquer plus de buts sur balles qu'il n'a été euh, strikeout euh, depuis sa saison Sophomore. Hein, par exemple, en Sophomore, c'est 59 euh, buts sur balles contre 47 Strike Là, pour l'instant, il a 45 buts sur balle euh, provoqués pour seulement 16 Strike concédés. Donc, euh, on voit une énorme progression. Euh, c'est quand même euh, un, quelque chose d'incroyable parce qu'on est en train d'assister. Pour lui dans cette saison Puisque euh, cette confirmation Tend à montrer que c'est vraiment un top 3 hein, De la draft à venir euh, Selon moi et puis je pense que les observateurs en général Le mettent plutôt dans ce top 3 Donc voilà, Dries voilà. Badzana c'est le premier qui confirme on va, on va dire parmi ceux qui sont euh, vus très haut Le deuxième qui confirme Et c'est le principal Deuxième qui confirme, je pense pas que je vais en mettre Beaucoup plus dans ceux qui confirment vraiment Vous allez voir pourquoi euh, C'est euh, Jack Caglione Jack Aguilonet, je le rappelle, c'est un two-way player, c'est un peu l'attraction hein, du college baseball euh, aux États-Unis. Pour ça puisque si sa saison euh, freshman, je pense qu'il avait été blessé, donc du coup il n'avait pas du tout lancé, je ne sais même pas s'il a eu quelques at-bats, mais sa saison sophomore, donc la saison dernière, il a euh, bluffé tout ce monde en étant le troisième starter de la, la, la rotation de Florida. Une rotation qui avait quand même Brandon Sprout et euh, surtout Urson Waldrep hein, parmi, parmi ses joueurs phares, et donc deux joueurs qu'on a vu drafter très haut. Lui, il a pu apprendre dans, dans, dans on va dire, euh, couvert en tant que troisième starter, c'est-à-dire qu'il lançait le dimanche et souvent, on place là un joueur qu'on veut un peu plus protéger. Et il faut le savoir, c'est que c'est un pur two-way player, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément DH quand il frappe à la batte, euh, il joue première base quand il ne lance pas en fait. Et c'est un très bon défenseur en première base, il a des qualités de toute façon athlétique qui sont très intéressantes. C'est forcément un très bon joueur offensif, c'est là où on l'attend beaucoup. L'année dernière, je pense que c'était le, le, le meilleur joueur en termes de... Enfin, le leader en termes de home run euh, au collège baseball, je pense avec 33. Ça sera à vérifier, mais je suis quasiment sûr, puisqu'il avait fait une saison exceptionnelle en tant que sophomore. Euh, en tant que lanceur, il y avait eu des hauts débats mais il avait montré quand même des, euh, qu un potentiel exceptionnel, puisque c'est un lanceur gaucher qui vous lance des balles à, qui peut vous lancer des balles à 99 miles par heure. C'est le genre de profil qui est très intéressant et très euh, on va dire disruptif quand on imagine des prospects lanceurs gauchers venant du collège baseball si ça s'est pas très bien passé sur sa dernière sortie l'année dernière en tant que sophomore en tant que lanceur puisqu'il avait euh, été on va pas dire responsable c'est un peu méchant mais je veux dire il a été clairement en difficulté lors de, bah, de la finale face à LSU on sent que cette saison et c'est ce que je disais plusieurs fois notamment euh, via par tweet euh, il a l'air moins spectaculaire en tant que lanceur cette saison mais pourtant il a l'air beaucoup plus serein il, a, il est toujours un peu irrégulier pour vraiment euh, voilà, montrer de la commande, mais il a l'air beaucoup plus serein. Après, hein, parmi tout son, on va dire euh, toute sa feuille de route et surtout sous, toute sa trajectoire, il faut savoir il a déjà eu une Tommy John quand il était au lycée. Euh, et même quand il était vraiment en très bonne forme, on va dire physique, il a toujours montré, comme j'ai dit, cet aspect commande un peu erratique qui fait qu'il a beaucoup euh, concept de but sur balle. Euh, ce qui fait qu'en fait, c'est un profil, c'est vrai que c'est un two -way player, donc il est très intrigant, très excitant. Il y a toujours cette, euh, cette optique d'avoir un athlète assez puissant, assez fort pour pouvoir faire pourquoi pas du hauten-il-like. Euh, mais pourtant, si on regarde les scouts et vu ce qu'ils voient, notamment vis-à-vis -vis de, euh, de ce qu'il est capable de faire en première base et de sa puissance à la batte, alors c'est pas quelqu'un qui est très discipliné à la batte, hein, mais je trouve qu'il a aussi un peu corrigé cet aspect-là où l'année dernière, vraiment c'était. Euh, J'en je, 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 ai déjà parlé, je whiff, enfin je whiff, je. Je tente de frapper partout. Même quand la balle paraît hors zone, euh, Voilà, peut-être qu'il comptait beaucoup sur le fait qu'il a une puissance et un range quand même assez important, puisqu'il est imposant euh, pour pouvoir euh, faire mouche. Et c'est vrai qu'au final, en termes de production brute, il a fait mouche, hein, comme je l'ai rappelé euh, tout à l'heure. Mais en termes de stats, on peut voir vraiment cette année, une, comme je l'ai dit, une certaine progression dans tous les aspects. On va en parler un peu plus en détail. Commençons tout d'abord par regarder euh, l'aspect euh, batting. Euh, il avait quand même eu quelques at-bats, enfin, pas mal d'at-bats même en freshman, malgré euh, le fait qu'il n'est pas du coup lancé. Hein, il était déjà en train de se remettre voilà, des séquelles d'une Tommy John euh, du lycée. Donc il était principalement utilisé euh, au niveau offensif, à la batte. Et euh, en freshman, euh, il avait quand même réussi à frapper 7 home runs en euh, 28 matchs. Un OPS de 887, il avait aussi montré ce que je disais un peu, ses carences en termes de discipline à la batte. Il avait provoqué 5 buts sur balle pour 21 sur strikeouts. En sophomore, donc l'année de la révélation, l'année où il est le meilleur joueur est ici, c'est 33 home runs, 90 points produits en 71 matchs. C'est un ratio but sur balle, strike out, un peu abyssal pour le coup, parce que 17 bus sur balle provoqués contre, contre 58 euh, strike out concédés, désolé, comme d'habitude, euh, ça s'est coupé euh, en plein milieu de, de, de ma phrase. Euh, ce qui est à noter surtout, donc, comme je le disais, c'est cette progression que l'on voit en fait cette saison. Cette saison, déjà, juste pour parler simplement du ratio but sur balle, euh, strike out, à mi-saison, il est à 21 buts sur balle provoqués pour 14 strikeouts concédés. Donc c'est plutôt très intéressant. Comme je dis, son approche a changé, il est beaucoup plus patient et ça ne l'empêche pas quand même d'avoir de, de, des chiffres assez affolants puisque là, euh, déjà, il faut savoir, il avait commencé un peu plus euh, tranquille en termes de home run puisqu'il a longtemps plafonné à 7 home run assez tard entre guillemets par rapport à ces temps de passage de la saison dernière, euh, mais là. À mi-saison, il a 22 home runs, s'il vous plaît. Et surtout, il faut savoir que sur les 8 derniers matchs, il a au moins frappé un home run. C'est-à-dire 8 matchs de suite avec au moins un home run. Pour dire que là, en ce moment, il est lancé. En ce moment, en fait, Florida, en termes d'équipe, ça ne se passe pas très bien. Mais par contre, lui, euh, tout seul, ça se passe très, très bien. Et donc, vous voyez, en fait, il y a vraiment cette progression. C'est comme si le baseball universitaire a vraiment ralenti pour lui à ses yeux. Il n'a plus besoin de forcer les choses, d'aller chercher des balles hors zone de strike très 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 intéressant ce qu'il est en train de montrer et ce qui fait que ses stocks au niveau batting bah, vont rester très haut au niveau pitching comme je l'ai dit je pense que même s'il est toujours intrigant en termes de en tant que two way player c'est pas là dessus forcément que les scouts vont complètement euh, bah voilà s'appuyer euh, je pense que à terme en tout cas euh, si on veut vraiment profiter de lui et voir son potentiel ça serait plutôt au niveau du batting et notamment pourquoi pas de continuer à jouer première base maintenant si on regarde le pitching là aussi il y a quand même des choses intéressantes à noter donc déjà je rappelle la saison Freshman encore une fois il n'a pas lancé donc on a des chiffres à partir de la saison dernière la saison dernière par rapport à cette saison pour l'instant cette saison c'est la mi-saison il est à 3,89 diarhées la saison dernière il était à 4,50 et quelques non, moins, 4,34 pardon euh, par contre au niveau euh, visuel comme je l'ai dit l'année dernière c'était un joueur qui avait beaucoup de problèmes de commande. cette saison ça se ressent encore un peu mais quand même assez, euh, enfin beaucoup moins. Euh, il y a quelque chose aussi que, que, que je trouve intéressant, on le voit beaucoup moins euh, juste s'appuyer sur sa balle rapide, je, je vous l'ai dit, c'est une balle rapide qui peut aller dans les 99 matchs par heure en top speed, on va dire, mais là il, a, il essaye aussi de mettre en place euh, de la balle cassante, de la change-up, enfin vraiment de l'off-speed, et ça a l'air un peu plus régulier que la saison dernière. Maintenant, si on regarde son whip, hein, c'est toujours assez proche, hein, 1.420 l'année dernière, 1.398 cette saison jusqu'à présent. Euh, en termes de buts sur balles concédés, l'année dernière, c'était 55. Cette saison, on n'est qu'à la moitié de saison, c'est déjà 29. Donc, il y a toujours ces petits problèmes. Euh, la saison dernière, il n'a pas concédé tant que ça de home run, hein, malgré euh, bah, voilà, le fait qu'il utilise beaucoup sa balle rapide. Euh, il n'a concédé que 6 home run, alors que cette saison, il est déjà à 4 home run concédés. Donc voilà, c'est vrai que euh, comme j'ai dit, visuellement il y a des changements, même au niveau du pitching, on a l'impression qu'il y a une progression, mais quand je regarde des chiffres, en termes de pitching, c'est pas tant euh, visible ou euh, flagrant que ça. Alors qu'encore une fois, en termes de batting, et je pense que pour conclure sur Caglione, c'est là-dessus qu'on va vouloir s'appuyer si on, si on veut construire euh, voilà, et développer ce joueur, c'est là où vraiment toute l'étendue de son talent est très prononcée et euh, très intéressante. Donc voilà, voilà pour mes deux joueurs qui confirme sans dire qu'il euh, euh, montre plus que ce qu'on attend d'eux dans le sens où c'est vraiment les gros stars à la base de la saison euh, euh, en termes de collège baseball. Parlons maintenant de deux joueurs qui ont connu des euh, petits pépins notamment physiques hein, ou des blessures mais qui sont attendus très haut. On va commencer par celui qui en pré-saison était considéré comme euh, certainement le entre guillemets le numéro 1 de cette QV 2024 quand on parle des joueurs de, des joueurs universitaires seulement, hein, pas des lycéens mais des joueurs universitaires seulement, c'est bien sûr Nick Kurtz. Nick Kurtz c'est le premier base de Wake Forest, c'est certainement le meilleur frappeur peut-être du college baseball quand il est en, quand il est en bonne santé, euh, que ce soit en termes de puissance, en termes d'agression de, euh, bah, de l'adversaire, du lanceur adverse. Euh, vraiment un joueur très très bon en termes aussi de décision il ne va pas swing à n'importe quel type de, de, de balle arrivant hors zone ou, ou difficile à aller récupérer un joueur qui a su montrer de la patience et qui euh, en 2024 a eu quand même des petits soucis il a d'ailleurs été blessé pendant un petit moment il n'a pas pu jouer tous ses matchs mais avant qu'il soit blessé on sentait euh, voilà une sorte de euh, de début de saison assez compliqué, c'était pas dans ses standards. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela. Hein. Tout d'abord, quand il est arrivé en 2022 en tant que freshman, il avait des Brock Wilken, alors Sophomore, euh, qui était là pour, pour aussi un peu mener la barque. L'année dernière, pour sa saison Sophomore d'ailleurs, une saison incroyable hein, pour le coup, euh, c'était certainement le... le voilà. On va pas dire le meilleur frappeur puisqu'il y avait quand même Brock Wilken qui arrivait quand même assez haut à la draft et euh, ça paraissait logique. Mais en termes de, de potentiel, on pouvait voir Nick Kurtz comme quelqu'un ayant encore plus de potentiel que Brock Wilken. Et vraiment c'était un joueur assez incroyable à voir en 2023. Et puis là en 2024 comme je l'ai dit, slow start, euh, euh, on a vu par contre qu'au tout début de saison, euh, les, les lanceurs n'hésitaient pas à euh, éviter la zone de strike ici, même s'il fallait le... le le rôle qu'en fait, un hein, constable sur balle face à lui, c'était un peu le projet. Du coup, j'ai l'impression que ses at-bats n'ont pas été euh, si incroyables que ça, dans le sens où il n'a pas pu vraiment se, se lancer, parce qu'on ne lui laissait pas l'opportunité. Après, il y a eu un petit aussi un, on va dire un petit, euh, euh, démarrage assez difficile, dans le sens où euh, euh, voilà, il est devenu la figure de proue hein, du college baseball, il est devenu la figure de proue de Wake Forest, bien entendu. Et tout ça, il faut savoir le digérer également. Ensuite, cette blessure est arrivée, et avec la blessure, bon bah, forcément, il y a du temps de jeu en moins. Par contre, il vient de revenir de blessure, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, il y a, y a quelques semaines. Et depuis qu'il est revenu, on retrouve l'ancien Nick Kurtz, hein, ce joueur assez incroyable, encore une fois. Euh, c'est un, un gabri impressionnant, hein, c'est un peu la cague lyonnais. Hein, c'est des joueurs euh, 6-5. Donc 6-5, ça doit être quoi Ça doit être facilement du 1m95. Hein. J'ai pas exactement le, la conversion. Euh, mettre euh, fit <laughs> dans ma tête, mais euh, mais euh, voilà, c'est très grand, c'est très costaud, c'est euh, puissant. Euh, vraiment, c'est un joueur euh, par saison en college baseball. Il est pas loin des 20 home run euh, euh, sur le potentiel, quoi. Vraiment, sur le potentiel, euh, c'est vraiment un joueur. Si vous voulez avoir un bon clean-up, <laughs> euh, ça, ça peut être le type de joueur que vous voulez mettre. Euh, en place en quatrième position d'un line-up, par exemple. C'est pas euh, le gros euh, coureur, par contre, sur base, hein, ça faut le savoir, mais il est capable hein, de, de, de montrer certaines choses. Euh, en défense aussi, c'est un bon défenseur, c'est pas un défenseur incroyable, il peut jouer aussi left field, euh, de ce que j'avais lu. Moi je l'ai vraiment vu qu'en première base, hein, pour le coup, donc c'est vraiment sa première base sur laquelle je peux m'exprimer. Et euh, bien sûr, hein, comme d'habitude, si on veut des stats. Je sais tout d'abord que là, en, en, depuis son retour, il est incroyable. Je pense qu'il a réussi, depuis son retour, à frapper 11 homeruns. Euh, à un moment, il y avait une stat qui était sortie, joué sur net, c'était 11 homeruns en 7 matchs, on est là comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, donc le, le mec, en fait, il veut se replacer dans la course euh, des plus gros frappeurs de homeruns de la saison, alors qu'il a loupé quand même pas mal de matchs. Euh, donc voilà, si, si on veut comparer, voilà, si on veut aller un peu sur ces stats, comparer un peu tout ça. Comme je l'ai dit, hein, euh, d'ailleurs il était true freshman hein, à l'occasion, Nickert. un Nickerts. Un c'est en 2003, il, va, il vient d'avoir 21 ans si à peine. Hein. Euh, c'est pas comme par exemple des, euh, des joueurs dont on va parler un peu après. Enfin un joueur dont on va parler un peu plus tard. Euh, pour revenir sur ses stats, il n'a jamais eu un OPS en dessous de 1.108. C'était ça, ça c'était pour sa saison Freshman. Et pour sa saison Freshman, il faut le savoir, c'est déjà un joueur qui a été capable. D'apporter de, de, 15 home runs, 56 points produits en 54 matchs. Je me rappelle, je les avais vus en, en direct. Hein, J'étais parti au, au stade à Maryland, au euh, Bob Turtle, je ne sais plus exactement tout le nom, mais du, bah, le, le stade de baseball hein, de Maryland. Ils étaient là-bas pour faire le tournoi national. Ils étaient dans le regionals justement, de Maryland. Ils s'étaient fait éliminer hein, dans une poule qui comprenait aussi Yukon, Maryland, justement, et Long Island, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, je les avais vus jouer justement face à Long Island et donc euh, j'avais pu avoir en direct Nick Kurtz. Et voilà, donc euh, c'était euh, vraiment un très euh, beau joueur à voir jouer. Ça euh, s'en avait franchement. D'ailleurs, c'est 338 de moyenne à la batte, hein, donc c'est pas mal. Euh, un OPS, comme j'ai dit, de 1.108. Euh, son, son, son rate strikeout sur balle est euh, toujours positif hein, sur chacune de ses saisons jusqu'à présent. En sophomore, ce là c'est la grosse saison. Hein. Il termine avec 24 home runs, 69 points produits. Ils vont jusqu'en demi-finale, on va dire, de vois dans un, dans un mano à mano face à LSU incroyable. Euh, lui, sa saison, il a fini avec 1,311 d'OPS également. Donc, euh, encore une saison incroyable. Et là, cette saison, alors comme je l'ai dit, il a eu du mal à commencer. Sa moyenne à la batte n'était pas incroyable. Par contre, il avait beaucoup, il avait provoqué beaucoup de buts sur balle. Et ça s'en ressent parce que rien que pour parler, avant de parler du reste, à mi-saison, de son ratio. Bus sur balle strikeout, c'est 40 buts sur balle pour seulement 19 out Donc c'est même pas comparable avec ce qu'il faisait avant, c'est vraiment euh, la élite pour le coup. Par contre, euh, oui, tout se ressentait un peu, c'était un peu plus difficile, mais euh, je pense qu'avant sa blessure, il avait réussi quelque chose comme 6 home run, mais une moyenne à la batte peut-être à peine au tout début des 300. Là, il est remonté à 340, il est à euh, 1.430 d'OPS et il a maintenant 17 home runs on dirait les 11 home run dans 7 match permettent hein, d'avoir <laughs> une moyenne plus que, plus que confortable. Donc, il est clairement dans la course hein, pour, pour le, le titre du, du le batting title en termes de home run, on va dire. Donc, voilà, Nicker, je voulais en parler parce que c'est un des deux joueurs dont je voulais parler qui ont connu des pépins physiques. Et l'autre joueur dont j'ai envie de parler, lui pour le coup, c'est vraiment euh, euh, dès le début de la saison, il se blesse et donc on n'a pas encore pu vraiment le voir à son niveau, c'est bien sûr JJ Weatherholt. Le joueur de WVU, c'est-à-dire West Virginia, a été la révélation de la saison dernière. Hein, le seconde base, qui peut aussi un peu jouer shortstop, mais je pense qu'au niveau de la MLB, ça va plutôt se traduire comme un joueur euh, plutôt de seconde base, euh, à mon avis. C'est un joueur qui a tout explosé en 2023 pour sa saison Sophomore. C'est un joueur vraiment qui a montré euh, tout ce qu'on pouvait euh, espérer, même d'un leader, hein, puisque West Virginia, ce n'était pas forcément. Euh, euh, l'équipe la plus, on va dire, spotlight hein, de la Big 12, mais euh, c'est quelqu'un qui a su vraiment euh, apporter des choses incroyables à cette, fran enfin, cette franchise, à, ce, à cette université. C'est pas euh, le profil euh, voilà, euh, super athlétique, c'est un joueur plutôt tanké, mais assez petit, hein, puisque je pense qu'il fait même pas 1m80. Euh, les, les gens le voyaient comme un shortstop, encore une fois, hein, c'est vrai que euh, là même pour cette saison 2024, on le voit jouer plutôt. Euh, enfin, c'est un peu faux ce que j'allais dire. À la base, les plans par rapport au fall, au scrimmage d'automne, de, 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 c'était le voir jouer vraiment shortstop. On l'avait vu jouer shortstop pendant ses scrimmages. On l'a vu jouer shortstop sur la première série de la saison. Malheureusement, il se blesse dès la première série de la saison. Donc là encore pu vraiment jouer. Il est revenu là aussi, lui aussi, il y a quelques, même pas quelques semaines, vraiment, il y a peut-être une ou deux semaines à peine. Hein. Et, euh, et, et dès son retour, il a apporté des choses. Alors, c'est pas forcément des stats incroyables, forcément, puisque il revient, donc il faut retrouver toute une mécanique. Il a joué beaucoup plus de H d'ailleurs hein, depuis son retour que vraiment sur le sur sur le terrain. C'est pourquoi je me suis je me suis arrêté de dire une bêtise. C'est pas forcément le shortstop titulaire euh, en tant que tel en ce moment. Mais euh, voilà, il est déjà capable d'apporter de, de, toute sa science à la batte, c'est un joueur offensif très intéressant, c'est clairement un joueur, euh, euh, on va dire, ce qu'on appelle versatile, hein, euh, dans le sens où euh, il peut jouer plusieurs positions dans l'infield notamment. Euh, que dire d'autre C'est vrai que comme il a une saison assez courte, j'ai envie de revenir surtout sur la saison dernière, la saison dernière, ça a été incroyable. Clairement, l'année dernière, pour vous donner un peu ses stats, c'était 16 homeruns, 60 points produits en 55 matchs, 36 bases volées. Donc voilà, c'est pour vous rappeler que c'est un joueur qui peut vraiment être dangereux partout. Il a de la puissance à revendre, il a de la discipline à la batte. Enfin, l'année dernière, c'est presque 450 de moyenne à la batte. Faut bien s'en rendre compte. Et un OPS l'année dernière de 1,304. Donc c'est un joueur qui est capable vraiment de euh, voilà de, de, on va dire d'être un cauchemar hein, pour les défenses adverses il va pas forcément chercher le rebond à chaque fois il peut frapper en puissance mais il peut vraiment aller chercher le gap il est assez rapide pour pouvoir jouer sur base euh, quelques, certains joueurs vont frapper et vont s'arrêter en première base par exemple plus il est capable de pousser sur la seconde base sur des sur des balles qui sont un peu on va dire en, en no call c'est à dire que euh, si ça est en première base ça paraît logique parce qu'on n'est pas sûr hein, qu'il puisse atteindre la seconde base sur sa lancée mais il est capable de l'atteindre malgré tout grâce à une bonne vitesse c'est pas non plus le joueur super rapide mais c'est un joueur qui est capable d'être véloce surtout d'être assez athlétique pour euh, voilà prendre beaucoup de terrain en défense, euh, c'est un bon défenseur, surtout euh, je pense en, en seconde base, il est capable de faire le taf. Là en shortstop, on va voir un peu plus hein, au fur et à mesure des semaines qui, qui arrivent. Euh, c'est vraiment c'est vraiment le, le gros profil hein, dans l'infield, un joueur électrique. Et euh, on peut qu'espérer qu'il revienne à son meilleur niveau. Là donc il n'a joué que 12 matchs hein, pour l'instant. La faute à des blessures notamment, hein, comme je l'ai dit, euh, dès le premier week-end en fait. Il a joué juste au premier week-end, il s'est blessé au premier week-end, et depuis il n'avait pas joué avant deux avant de week-ends en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'il n'a joué que trois week-ends sur les euh, 9 ouais, je pense qu'il y a au moins 9 semaines maintenant, 9 week-ends notamment maintenant euh, de jouer. Sur cet échantillon, c'est un joueur qui euh, arrive toujours hein, à avoir un ratio bus sur balles strikeout intéressant. Là pour l'instant c'est 10 bus sur balles provoqués contre 6 strike out Il a 2 home run, 8 points produits. Forcément c'est pas incroyable, mais c'est sur très peu d'at-bats. Hein. Il a quoi Il a une quarantaine d'at-bats à peine. Euh, c'est un joueur qui est pour l'instant en, en moyenne à la batte de 342, il a un OPS de 1.043. Euh, ça serait limite son plus faible OPS, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai euh, ouais, dit peut-être une bêtise parce que je pense qu'en freshman c'était pas incroyable. En freshman, je vais, je vais vérifier ça tout de suite pour vous dire, mais non, en freshman son OPS était de 882. Donc c'était bien, mais je veux dire, c'était pas, pas au-delà des 1 quelque chose. Donc c'est pas son plus faible OPS, mais clairement pour l'instant il y a une, euh, une réduction de ce genre de, 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 de stats, mais encore une fois sur une échantillon assez faible. Donc pour le coup, pour lui, il va falloir vraiment attendre de voir hein, avant de se prononcer. Mais voilà les deux joueurs principaux que je voulais dont je voulais parler en termes de joueurs qui, à cause des blessures, n'ont peut-être pas été là, mais sont en tout cas à observer cette deuxième partie de saison et pour Nick Kurtz sont déjà sur une pente ascendante. Il est temps de parler de ma catégorie préférée, c'est-à-dire les joueurs qui ont dépassé les attentes et les ont même limite explosés et sont en train de build pas mal de draft stock en prison de la draft. Le premier, bien évidemment, pour ceux qui suivent même, même de loin hein, ou qui lisent avant tout les articles MLB, c'est un joueur dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Charlie Condon. Charlie Condon, je rappelle, c'était un true freshman en 2022, mais il a décidé de Richard, c'est-à-dire qu'il a décidé de passer cette saison-là. Il a commencé en tant que Redshirt freshman en 2023. Il joue à Georgia, et Georgia n'était pas forcément sur un stretch incroyable en termes de performance. Et avec lui, Georgia va se remettre à rêver de pouvoir bah, euh, vraiment se. Euh, voilà, déjà bataillant à SEC, et ensuite, pourquoi pas aller au tournoi national et puis euh, se montrer. C'est un joueur que la saison dernière, en tant que euh, euh, Richard Freshman, a été, je pense, meilleur Freshman de la SEC. Euh, il a eu euh, une vingtaine de hommes facilement. Euh, et on n'était pas encore au bout de nos surprises puisque là, en 2024, il est en train de marcher sur tout le monde. Il est en train, en fait, de nous montrer en fait quelque chose d'assez euh, similaire. Et d'ailleurs, je l'avais lu dans un des articles que je lisais. C'est assez similaire à, à la trajectoire de White Langford. Wyatt Langford, bien sûr, maintenant il est chez les Rangers, il est déjà en MLB, imaginez-vous bien, par exemple, il, est, il a été plus rapide, ça ne veut pas dire qu'il va, qu va avoir une carrière meilleure, mais il a été plus rapide pour bon, l'instant intégrer la MLB que, par exemple, un Dylan Cruz, qui a été la star des trois dernières années au College Baseball. Wyatt Langford, en freshman, il n'a quasiment pas joué. Il n'a pas joué, pourquoi Parce qu'il avait, s'était bouché hein, dans la outfield, Il y avait des Judd Fabian, notamment, qui, étaient, qui faisaient partie des gros prospects de Florida à l'époque et qui, depuis, ont un peu déçu et. Ont été un peu plus bas à la draft que, que, que prévu, et il avait des joueurs, voilà euh, des vétérans ou autres. Euh, Florida et Kevin Sullivan ils sont là pour développer des joueurs, c'est vrai, mais ils sont aussi là pour avoir des résultats. Florida, c'est une équipe qui est très ambitieuse, qui a gagné les World Series en 2017, de mémoire, qui surtout euh, est une des équipes qui va le plus souvent en gagner les World Series sur ses 15, 15 dernières années, hein, de mémoire également. Donc, Ed Langford a dû euh, manger son pain noir. <laughs> Vous me direz si j'ai des, des, des vraies expressions, si j'invente des expressions. Hein. Mais bref, il a dû euh, voilà ronger son frein euh, sur sa première saison, avant donc de tout exploser en sophomore et de plus que confirmer en junior. Bah, pour l'instant, Charlie Condon, il fait un peu la même chose. Freshman de l'année ici si cette la saison dernière, euh, je pense qu'il a été vraiment avant Je sais que la lutte est entre lui et Ethan Petrie. Pour le coup, et Ethan Petrie, si je ne dis pas de bêtises, c'est un true freshman. Mais bref, et Charlie Condon l'a battu de mémoire. Et là, cette saison, à l'heure où je vous parle, Charlie Condon, c'est juste bah, insane pour frangliser un peu la chose. Euh, à l'heure je vous parle, il est déjà à 24 home runs. Euh, il est clairement bah, le leader hein, au, niveau, au niveau du collège baseball à l'heure où je parle. Et euh, surtout. Il est en train d'écurer en fait le, bah les lanceurs adverses parce que, au-delà de frapper des home runs et, et de ci et de là, ce qui est intéressant, c'est que là, il a réussi à renverser le ratio, le fameux ratio euh, but sur balle strike out. Parce que, si la saison dernière, il a eu, il a concédé plus de strike out qu'il a provoqué de but sur balle, hein, 33 buts sur balle, 45 strike out, cette saison, pour l'instant, il a réussi à avoir 32 buts sur balle provoqués déjà, alors qu'on est à mi-saison. Pour 25 sur les cartes, donc c'est un joueur qui est euh, incroyable en ce moment. Oui, voilà la saison d'ailleurs. Vous voyez par exemple sur 56 matchs, il finit avec 25 home run, 67 points produits euh, 386 à euh, domaine à la batte 484 d'OBP, 800 de swing percentage et euh, un OPS de 1,284. Là pour l'instant, à mi-saison, il est déjà à 24 Home run, 52 points produits il est à 482 de moyenne à la batte. C'est-à-dire qu'il est presque à 50%. C'est-à-dire qu'il frappe presque un coup sûr sur deux ad-bats. Un ad-bat sur deux, c'est un coup sûr de ce mec. faut se rendre compte en fait, de, la, de, la, de la folie. Son slugging percentage, il est à 1,110. Euh, son OPS, forcément, est, est super gonflé. Il est à 1,695. Il est en train de nous sortir des chiffres. Alors, un mix de chiffres en ce qu'on pouvait voir de côté de Wild, Wild Langford, par exemple, notamment en termes de production de Toto par exemple en termes de nombre de hommes, etc., etc. Et de montrer en termes de, de, de moyenne, de stats, par exemple comme la moyenne à la batte, des stats à la Dylan Cruz. Il est en train de faire une sorte de fusion, C'est un peu le, le, le Gogeta, parce qu'on a référence Dragon Ball, <laughs> de si Goku c'était Dylan Cruz et Vegeta c'était Wyatt Langford, C'est un peu cette fusion sur cette saison-là. On parle juste en termes de slugging. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il euh, vaut ces deux joueurs-là. Non, non, pas du tout. Est en train de faire une saison assez exceptionnelle pour le coup donc charlie condon c'est le premier dont je voulais parler je vais pas en parler plus que ça sinon le podcast va durer à 000 ans mais euh, le deuxième dont je voulais parler euh, pour le coup c'est pas alors c'est pas forcément euh, la grosse surprise en soi mais c'est une très bonne surprise c'est braden montgomery braden montgomery je le rappelle euh, depuis qu'il était au lycée, c'était la petite star. Hein, il était, je pense qu'il était au lycée du côté de Texas, du Texas en tout cas, et qui a il les parties justement, il a commis du côté de Stanford. Et c'était un two-way player. Two-way player, mais plutôt releveur et euh, frappeur. Euh, voilà, il peut jouer dans la notamment en termes de position défensive. Et d'ailleurs, c'est un très bon défenseur. Et ça, ça, son, on va dire son, euh, ses qualités de pitcher se ressentent dans sa force de bras quand il doit euh, lancer des relais, faire des assists pour des put-outs et tout ça, quoi. Au-delà de ça, ce qui était intéressant avec Brian Montgomery dès son arrivée à Stanford, c'est sa batte forcément. On savait que c'était un joueur offensif doué, toujours en constante évolution, un très bon travailleur aussi. Et il a prouvé avec Stanford hein, qu'il était euh, voilà, une des stars de demain du collège baseball. Cette saison, il a dit qu'il rentrait euh, du côté du Texas, il a décidé de transférer, on en a beaucoup parlé. Et forcément, on, a, on se demandait comment allait être cette transition du côté de la SIC, puisqu'il jouait dans la PAC 12, qui est une très bonne conférence, mais qui n'est pas au niveau de la SIC de nos jours. Et on voulait se demander comment il allait se comporter face aux lanceurs, parmi les meilleurs lanceurs, en fait, on va dire, de tout le collège baseball. Bah, pour l'instant, il se débrouille plutôt très, très bien, hein, on va dire, puisque à l'heure où je vous parle, euh, c'est un joueur qui est actuellement, bon, déjà, Texas CNM en tant qu'équipe, ils sont en tête hein, de la SIC, enfin pas en tête en tête, mais ils sont parmi la tête de la SIC. Ils sont en tête des rankings au niveau college baseball. Ils ont une attaque de feu, parce qu'il y a lui, il y a Jace Laviolette, il y a euh, euh, le, le freshman Graovac, dont j'ai oublié ce quoi, c'est Gavin Graovac, dont j'ai oublié le, le prénom, mais, mais voilà, ils ont une équipe. On savait que l'attaque, elle est bonne, bah, elle est plus que bonne, et Brian Montgomery n'y est pas pour rien, parce qu'il est actuellement à 20 home run, 60 points produits. Euh, il a un tout petit peu volé de base, hein, c'est pas sa, sa spécialité. Il a 4 bases volées, il a euh, 35 buts sur balle provoqués pour 28 strikeouts. Il a une moyenne à la batte de euh, .379, Il a un striking percentage par exemple de 0.900, un OBP de 0.514 pour un OPS de, de 1.414. Donc on est là encore sur une bête. Hein, je veux dire, s'il n'y avait pas la saison exceptionnelle de Charlie Condon, bah, pour moi, Brandon Montgomery il serait en tête hein, des, des Golden Spikes en termes de Golden Spikes Watch. Je pense que là actuellement, si on veut un peu parler Colin Spikes, Caglione doit être certainement tout en haut parce qu'il a ce profil de tous les players et il porte Florida hein, actuellement. Ensuite, on doit avoir Charlie Condon et ensuite on doit avoir Brian Montgomery, euh, très clairement. Donc, Brian Montgomery, c'est le deuxième joueur dont je voulais parler hein, dans, ce, dans cette catégorie-là. Et en fait, je vais ajouter un troisième joueur parce qu'on est obligé de parler de lui. Hein. Il fait aussi une très grosse saison, il a eu des records. Il y a des, joueurs, il y a des gens pardon, qui ont commencé à dire que c'est un peu le... Le, on appelle ça, le euh, Paul Skins gaucher hein, de la S c'est bien sûr Hagen Smith. Hagen Smith, c'est euh, un joueur qui n'est pas un inconnu, dans le sens où euh, dès son circuit lycée, il avait été reconnu, puisqu'il avait notamment réussi euh, euh, plusieurs no-hitters. Donc, un joueur attendu qui a commis du côté d'Arkansas une fac réputée, hein, la fac de Van Horn, hein, de Coach Van Horn. Et euh, on se demandait à quoi s'attendre avec ce joueur, dans le sens où le potentiel est là. Il a montré déjà qu'il pouvait un peu à la caglionner, être un lanceur gaucher qui peut toucher hein, du, du bout du doigt les 100 miles par heure sur la balle rapide. Il a surtout aussi montré différents pitches très intéressants. Euh, il a une sinker, il a une slider, euh, il a une curve qu'il essaye de... Euh, euh, de, de, de mettre en place, j'ai parlé, oui, parlé de sa slider, donc il a un gros mix très intéressant et surtout il arrive à l'utiliser à bon escient. On l'a vu notamment, il y a eu un match hein, dont tout le monde a parlé où il avait réussi 17 strikeouts, mais c'est pas que pour ça qu'on le connaît. Euh, il a surtout montré cette saison de la constance, de la consistance, et c'est très clairement bah, un peu l'Ace hein, de, de ce début, début de saison en collège baseball. Euh, très difficile de, de jouer face à lui. Je pense que sa première sortie n'avait pas été incroyable, hein, on va pas se mentir, mais depuis euh, c'est très fort, c'est très solide. Donc euh, c'est clairement le troisième joueur dont je voulais parler quand on parle un peu de, de ces joueurs qui euh, sont en train d'augmenter de, de, leur, leur draft stock, comme on dit. Euh, si vous voulez un peu des chiffres, hein, la saison dernière en tant que sophomore... Euh, il avait joué combien de matchs Il avait joué une vingtaine de matchs, peut-être un peu moins. Ouais, 18 matchs. Il en avait start 11, hein, parce il sortait aussi en tant que releveur, il sortait un peu du bullpen. Et l'année dernière, c'était un IRA de 3 64. Euh, c'était quand même une très belle partition en termes de Strikeout. On s'en Strikeout en 71 manches lancées. C'était un joueur qui ne concédait pas trop. De, de, de hit by pitch quand on connaît un peu le, le côté l'aspect wild un peu des pitchers de college baseball hein, l'année dernière je pensais 7 hit by pitch concédés hein. euh, par contre il a euh, euh, comment on va dire ça il a euh, sur ses deux premières saisons quand même euh, concédé presque 90 buts sur balle 42 la saison dernière, 46 la première saison et là sur cette, sur cette moitié de saison il est quand même mieux parce qu'il a 17 buts sur balle provoqués 89 strikeout euh, bah, réussi donc c'est très très bon et cette saison surtout puisqu'on parlait cette saison pourquoi c'est un riser pourquoi c'est un joueur dont on parle beaucoup c'est que maintenant son yari il a été divisé par plus de 2 son yari est à 1,53 à l'heure où on parle euh, comme je dis il y a cette performance avec 17 strikeout sur un match euh, son whip est à 0,830 donc c'est très intéressant euh, vraiment un ratio euh, strikeout sur 9 manches de 17 <laughs> oui, 17. Donc euh, c'est clairement voilà, le troisième larron euh, des joueurs dont je voulais parler pour ces joueurs qui ont augmenté hein, leur, euh, leur potentiel draft. Avant de passer à la dernière catégorie qui là est un peu plus entre triste, il bah, n'y a pas de quoi non plus euh, pleurer, mais bon voilà, qui est un peu plus euh, on va dire négative, j'ai envie de quand même faire des mentions honorables, c'est-à-dire je vais vous euh, sortir quelques noms de joueurs à surveiller de près. Ces joueurs-là, je ne vais pas te dire euh, un tel c'est ci, un tel c'est ça, il y a de la surprise, il y a des joueurs qui confirment, il y a des joueurs qui déçoivent peut-être un tout petit peu, mais ça va encore, donc ils seront euh, juste à mentionner euh, parmi les joueurs qu'il faut surveiller vis-à-vis -vis de cette draft. Alors, on y va, donc il y a bien sûr Chase Burns, hein, dont on peut parler, euh, il y a Trey Savage, dont on peut parler, donc ça ce sont pour les lanceurs notamment, euh, il y a des joueurs qui euh, sont surprenants comme James Tibbs hein, de Florida State, Jay Stibbs, James Steves, pardon. Uh, Silver King également, hein, qui vient de deuxième division, comme j'en ai parlé un peu auparavant, et qui joue avec forest et qui a été impressionnant pour combler les trous. Il y a Cam Smith, hein, Cameron Smith de Florida State également, Malcolm Moore. Euh, il y a des gens comme Vance Honeycutt hein, de North Carolina, bien sûr, Carson Benji de Oklahoma State, qui est un peu ce représentant de, de cette équipe qui est en forme en ce moment. Uh, Brody Brecht, même si tout n'est pas. Euh, euh, rose hein, du côté d'Iowa mais un très bon prospect lanceur également par exemple euh, Dakota Jordan qui m'a vraiment impressionné hein, le joueur athlétique de Mississippi State Tommy White bien entendu Cole Pepper, Jonathan Santucci euh, Caleb Lomavita de Cal, hein, le catcheur de Cal euh, donc voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs, hein. je ne vais pas tous, tous tous les citer, je peux en citer encore un ou deux Mike Sirota peut-être le joueur de Northeastern hein, qui a été qui était très très haut en début de saison qui est peut-être plus aussi haut maintenant, mais qui est toujours un très très bon prospect. Drew Beam, hein, le lanceur de Tennessee, toujours aussi solide. Uh, Griff O'Ferrall, j'aime bien en parler, parce que c'est le shortstop de UVA, qui est très intéressant. Et puis, on peut parler d'un dernier joueur en, ter en, tant que, en termes de mention. Luke holman hein, le lanceur de LSU, qui a été quand même très bon dans, malgré le marasme de LSU. Donc, voilà. voilà. Il est temps de parler euh, d'une catégorie où je vais, je vais enfin je vais parler que d'un seul joueur pour le coup, mais c'est un joueur euh, pour lequel la saison est très enfin n'est pas sur les standards hein, qu'on pouvait attendre et euh, qui est certainement en train de baisser pour l'instant en termes de euh, draft stock, on va dire, c'est bien sûr le lanceur de Wake Forest hein, qui est à la base Lace, Josh Hartle. Donc, George Hartle, je le rappelle, la saison dernière il faisait partie d'un trio assez incroyable avec notamment Red Lauder qui a été sélectionné très haut, l'une des meilleures rotations, c'était la meilleure rotation du pays. La saison dernière, je le rappelais hein, en, dé en début de, de, de cette saison que c'est un joueur qui était en IRA de 2,81 à peine, qui, même si c'est pas un joueur qui a une balle rapide incroyable ou autre, mais il a un arsenal en fait de, de pitch, hein, de différents pitch pour vous piéger hein, qui était très 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 intéressant et qui fonctionnait très bien la saison dernière. Cette saison, euh, <laughs> ce n'est pas vraiment le cas. Ça va un peu mieux là récemment, mais c'est quand même un joueur qui, cette saison, pour l'instant, est à un IRA de 5,52. Euh, il a beaucoup de mal à retirer les joueurs. Les joueurs ont, surtout en ACC, 6 comme s'ils ont compris en fait qu'il faut vraiment l'agresser sur sa. Il a une cutter, en fait, hein, qui est un peu sa ça, 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 ça balle de setup, sa balle pour commencer à mettre en place un piège vis-à-vis -vis des, des, des frappeurs adverses. Bah là, en fait, ça commençait avec Duke. C'est comme si Duke a trouvé la, la solution, c'est-à-dire de l'agresser sur cette cutter qui est un peu sa balle aussi, où il est le plus à l'aise, pour au moins le mettre hors rythme. Et on a vu plusieurs fois des matchs où il faisait à peine un start de une ou deux, voire trois manches avant d'être retiré, puisqu'il avait pris déjà 6 ou 7 earned runs. Donc, encore une fois, ça va un peu mieux. Mais je me sentais ob obligé de parler de ce, de ce joueur, puisque en fait, c'est un peu le. Le témoin, un peu l'exemple le, hein, qui montre que euh, rien n'est figé, que ce soit en bien ou en moins bien, bah, les joueurs euh, continuent à évoluer, continuent à jouer, continuent à avoir de l'adversité. Euh, et tout ça va rentrer en compte en ligne de mire hein, quand les scouts et ensuite les franchises vont devoir dire qu'ils vont choisir au final hein, en juillet. Donc voilà. Je termine sur une note un peu plus négative avec Josh Hartle, bah, on lui souhaite juste le meilleur, hein, qu'il puisse retrouver un peu plus son mojo, c'est pas un joueur qui va battre de toute façon les, 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 les batteurs adverses sur une balle rapide incroyable, hein. c'est vraiment pas le type de joueur qu'on a, mais c'est un joueur qui est capable normalement de manger des manches, d'être très solide, et hein, peut-être une autre chose qui l'embête un peu, c'est que c'est un joueur qui n'a pas... Euh... Alors il a des pitches un peu filthy, comme on dit, filthy cest à dire des pitches un peu... Euh... Euh très difficile à les frapper, des pitches un peu dégueulasses entre guillemets, mais qui sont très bons pour piéger les adversaires. Il en a quand même, mais ce que j'ai parlé là, c'est que c'est un joueur qui est très bon à trouver la zone de strike, et là j'ai l'impression que ça l'a aussi beaucoup desservi. Il a sans cesse cherché la zone de strike, et il a eu des, des at-bats prolongés, ça a peut-être aussi rendu un peu plus nerveux, et l'a en fait amené à commettre des erreurs. Donc encore une fois, ça fait partie de leur apprentissage, hein, rien n'est figé, on va voir d'ici la fin de saison comment ça évolue pour tous ces joueurs dont j'ai parlé aujourd'hui. Il y a bien plus de joueurs, hein. il y a quand même des... Il y a des milliers de prospects quand on y pense bien. Il y a facilement des centaines de joueurs qui vont être appelés en juillet. Donc il y a bien plus de joueurs que ça à voir. Là, c'est encore une fois une sorte d'overview sur les principaux joueurs hein, qu'on attend, voir où ils en sont dans cette saison, notamment en termes de collège baseball. J'ai pas assez de recul sur le, le lycée actuellement pour pouvoir vous de... parler des joueurs lycéens qui sont projetés assez haut. Mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, notamment quand la saison va se décanter et qu'on va se rapprocher aussi de cette draft. Voilà, voilou, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un épisode un peu long, surtout cette partie draft, mais c'est normal. Cet épisode sera, sera, sera comme les épisodes assez longs sera chapitré. Donc vous devriez vous en sortir avec les chapitres. Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci beaucoup pour le suivi, ça fait forcément plaisir et fortement plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou autre, en commentaire ou autre pour que je sache un peu ce qui vous plaît, ce dont voilà, ce qui vous anime quand vous écoutez un peu ces podcasts. S'il y a des choses qui vous paraissent encore un peu trop floues et que je pourrais expliquer ou expliciter, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et sur tous ces beaux mots, on se dit surtout à très bientôt. Allez, ciao